forêt du Mont d'Or, Nouméa. Monsieur Camoun, guérisseur. N'oublions pas que de très nombreux médicaments actuels doivent beaucoup aux pratiques ancestrales de soins. Au chimiste de retrouver dans la marmite la substance active. Dans son village du Gard, Ludo Chardenon utilise l'écorce de saule dans un grand nombre de ses préparations. La théorie des signatures s'incarne encore aujourd'hui dans cet homme qui ne veut surtout pas passer pour un guérisseur. C'est pas moi qui guéris, c'est mes plantes. Moi, je suis ramasseur de plantes, voilà. Mangrove tropique. Le catalogue de la nature, avec ses 3 millions d'espèces animales et végétales, reste une fantastique réserve de squelettes moléculaires et une immense source d'imagination. Il faut isoler la molécule active. Pour cela, une seule solution, la chromatographie. Sur plaque, sur colonne, sous pression, liquide ou gazeuse. C'est une méthode de quantification des composés à partir d'une CCM. La plaque de CCM est placée dans le densitomètre. Un faisceau lumineux se déplace sur les bandes. L'appareil mesure la différence entre le signal optique réfléchi par le fond de la plaque et celui réfléchi par une bande. Cette différence est transformée en signal électrique dont les variations d'amplitude permettent de tracer un chromatogramme. Le faisceau passe ensuite sur une gamme de produits témoins à différentes concentrations. L'intégrateur trace ainsi une droite d'étalonnage à partir des surfaces des pics en fonction des concentrations. On mesure ensuite la surface du pic identifié dans le chromatogramme de l'extrait. Le report de cette surface sur la droite d'étalonnage permet de calculer la concentration du produit recherché. Ici, nous nous trouvons dans l'usine. Les plantes que nous avons vues broyer sont extraites dans cet appareil de Suxley. Ça fonctionne un petit peu comme votre cafetière ou comme une lessiveuse. Une cafetière, une lessiveuse, oui, mais avec un solvant organique en guise d'eau. Et un solvant dont il faudra bien se débarrasser. Chimistes et botanistes ne s'aventurent pas au hasard. Ils savent que certaines familles de plantes contiennent des alcaloïdes, substances toxiques qui serviraient ailleurs pour la fabrication de flèches empoisonnées. Le laboratoire de poche est transportable. Les alcaloïdes sont solubles dans les solvants organiques. En milieu acide, ils sont solubles dans l'eau. Propriété doublement intéressante qui permet de les repérer aussitôt. Ah, il y a un meilleur bien positif, là. Molécule naturelle contre les excès de la nature. Ce qui intéresse beaucoup les chercheurs, ce sont les poisons. Car qui dit toxique dit actif, et qui dit actif dit cytotoxique. C'est-à-dire tueur de cellules, et donc de cellules cancéreuses.